Mike Durand, ce trentenaire de Charleroi, est au gaming, ce que les restaurateurs d'art sont à la peinture ou à la sculpture. Il est restaurateur de console. Il nous reçoit aujourd'hui à la bibliothèque de Morlanway, là où il a eu la chance pour la première fois d'être invité à exposer son travail. Et ton nom de scène, du coup, c'est Mike, diminutif de Michael. Oui, c'est ça. Ça vient d'où Mike Durand, c'est ça Mike Durand, voilà, c'est ça. Dis-nous un peu d'où ça vient, ce Mike Durand. En fait, ça ça vient de, de, du film euh, euh, La chute du Faucon Noir. J'ai un rêve quand j'étais enfant, c'était vraiment de, 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 de faire pilote d'hélicoptère et j'avais essayé, mais comme avec mes lunettes, c'est pas aussi ma vision, c'était pas possible, et eh bien, j'ai un peu, euh, comment dire ça, dû annuler ce rêve, on va dire. Et, euh, parce que j'avais une passion vraiment pour tout ce qui était hélico, tout ce qui était avion. Et, euh, sous, sur, sur, vraiment les, les hélicoptères j'aimais vraiment bien je trouvais que c'était euh, vraiment un truc de dingue et euh, j'ai vraiment voulu quand j'étais grand parce que, parce que quand j'étais petit c'est ce que j'avais en tête et quand j'étais grand je me suis dit ben bah, tiens pourquoi je ferais pas ça et j'ai été vraiment dans, dans ce domaine là et euh, après eh bien j'ai été déçu par la réponse et c'est vrai que à ce moment-là eh bien c'est vrai j'avais vu euh, le film la chute du faucon noir et je m'étais fait appeler Mike Durand comme, euh, le, truc, donc, comme le, 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 le pilote d'hélicoptère qui était retenu en Somalie donc euh, ça, ça m'avait touché en fait et du fait de ça eh bien je me suis dit bah, tiens pourquoi pas pourquoi pas mais avec mon nom à moi. et j'ai toujours c'est vrai que j'ai toujours gardé ce nom-là et pour finir quand j'ai créé ma chaîne j'avais ce nom-là aussi et je me suis dit bah, pourquoi pas donc voilà, donc comme je m'appelle Mike, Michael, je m'appelle, donc ça collait bien quoi. tu t'as pas pu faire pilote, mais est-ce que t'as été intéressé par faire l'armée éventuellement ou jamais... Euh... Euh, J'avais été intéressé de faire l'armée, mais il y a eu quelques lacunes dans le sens où euh, euh, je suis un peu claustrophobe et okay. euh, je devais passer euh, à l'époque je pense, je ne dis pas de bêtises, eh bien euh, on devait passer un truc pour, euh, on devait passer, pour être militaire, il fallait euh, enfin un fusil d'artillerie c'était, et euh, il fallait euh, faire une formation commando, donc pas commando. Et il y a eu des, des choses qui ne m'ont pas trop plu parce que c'était okay. euh, un peu trop, euh, voilà quoi je me souviens que d'un passage à l'armée où on nous a fait passer dans un tuyau d'égout avec de l'eau jusque là, là. effectivement la claustrophobie c'est pas idéal à ce moment là ah non non c'est sûr dans, dans des cubes en fait moi j'étais je, je m'étais retrouvé dans un truc il y avait un cube et c'était enseveli dans l'eau j'ai pas compris non plus et je me suis dit <laughs> non c'est bon j'ai pas cherché plus loin en fait et du coup pas l'armée mais tu as fait quoi comme formation euh, études après ça moi, moi j'ai fait, fait des études de, de, de menuisier qui a rien à okay. voir menuisier donc j'adorais un peu toucher à tout parce que je voulais vraiment euh, euh, faire un, quelque chose de mes doigts moi les études n'étaient pas trop poussées dans le sens où j'avais j'étais pas une forte tête dans dans, dans les études parce que il ça, ça, y avait des choses que je savais déjà et que ça me gavait d'apprendre et du coup eh ben moi je voulais vraiment faire des choses de mes doigts créer des choses donc la meilleure, la meilleure des choses, c'était de pouvoir créer avec, par exemple, quand on travaille le bois et tout le reste, c'est vrai, vrai que c'est bien, parce que tu peux créer de rien, tu peux créer quelque chose de, de, de fabuleux. Quoi. Donc, parce que le bois, je trouve que c'est magnifique. Et après, j'ai fait une formation en, en électricité aussi, en électricité, j'ai fait une formation et je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'ai appris un peu comment ça, ça se passait, mais je touchais vraiment déjà avant à l'électronique, j'étais déjà intéressé. Parce qu'avec mes consoles, tout ce qui s'ensuit, il y avait le service après-vente. Je me suis dit, ben, je vais aller mettre ma, ma console au service après-vente, mais pourquoi payer au service après-vente, alors que je peux essayer de regarder moi-même, mais de le faire moi-même, vu que c'est ma console. Donc j'ai commencé à bidouiller comme ça. Quoi. Attends, mais quand tu dis que tu as commencé, tu avais un, un guide, un tuto sur Internet ou Non, as juste à l'époque, non. À l'époque, tu n'avais pas de guide, tu n'avais pas, de, de, pas tout ça. Tu ne savais pas te dire, euh, ben tiens, je vais aller voir sur Internet. Il n'y avait pas Internet, justement. Tu ne pas de dire, je vais aller voir un tuto qui a été fait. Non, il fallait euh, aller à l'aveugle. Et j'allais à l'aveugle, j'essayais de voir. Moi, je suis toujours par déduction. Ça veut dire que je vais prendre un truc, je vais prendre un autre truc et je vais dire, voilà, je vais essayer ça, ça, ça sachez bien que ça fonctionne, on va intervertir, on va mettre. S'il si fonctionne, ça veut dire que je peux éliminer. Toi, j'élimine. Okay. Et à chaque fois que j'élimine, ben, tu arrives toujours à la solution, fatalement. Tu vas, tu vas diminuer les, les, comment dire ça, les chances de, comment comment expliquer ça procède par élimination. Voilà, c'est ça, ça. Donc, tu vas éliminer les, les chances qu'il y a, les, les choix, en fait, on va dire, de, de réparation. Et c'était quoi ta première console que tu as démontée euh, du coup La PlayStation 1, okay. La mienne. Ça. Et est-ce que tu l'as détruite ou tu l'as réparée au Non, final? je l'ai réparé, je l'ai réparé. En fait, parce que euh, il y avait, en fait, on a toujours, on a tous connu ça, le, le fameux problème. Que, que tout le monde a, c'est qu'il fallait me retourner la console. Oui, j'ai eu ça moi. Ah ben Moi j'ai résolu le problème bien que trop tard, mais je l'ai posté sur Internet et tout le reste, sur ma chaîne, j'avais ça. C'est en fait le problème d'usure de, de, de la lentille, parce que la lentille elle est... Faites en plastique entièrement parce que les Japonais à la base étaient un peu radins en matière de de, 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 de composants. Donc du coup, eh bien, ils avaient tout fait en plastique. Et le problème, c'est avec le frottement à hein, tout le reste. Plus tu jouais, plus tu détériorais ta console parce qu'avec le frottement, eh bien, la lentille était, était sur un rack et le rack avait eh frotté sur un autre et ça se décalibrait là si la, le faisceau laser se décalibrait et ça lisait plus ton jeu et quand tu remettais de l'autre côté comme ça posait pas dessus avec l'effet de la pesanteur et eh bien quand tu remettais de inversement la console ça créait une solution temporaire et moi j'ai j'ai dans le domaine de, 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 de réparation que je fais et eh bien j'ai réussi à récupérer sur des consoles qui étaient totalement cassées le système plus plus nouveau plus récent le système en métal, et le retransférer sur une console qui était, euh, qui était normalement qui ne fonctionnait plus. Et ça, je l'avais fait déjà à l'époque, en dessoudant tout le reste. Et ça, c'était en quelle année, du coup, euh, cette première réparation Du moins en 2003. En 2003, euh, j'ai commencé à, à faire ce genre de choses. Donc toi, tu te mets à réparer des choses. Est-ce que c'était avant ou après ta formation en électricité euh... C'était avant. avant. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas de, pour toi de prérequis si quelqu'un veut se lancer dans la restauration euh... Rétro Non, tout, tout, je pense que tout le monde peut le faire à partir du moment où il a les bonnes informations. À partir du moment où tout le monde a, a une bonne information, je pense que tout le monde est capable de le faire. Monde. il faut les bons outils mais aussi comment je dire ça là, la, comme je dis je, je n'arrête pas d'insister là dessus c'est la bonne information parce que on est dans un monde où euh, tout le monde veut faire du buzz, tout le monde veut évoluer, faire, faire des choses et ils donnent des mauvaises informations. Alors les gens ils essayent et après ça détruit aussi beaucoup parce que les gens ils disent ah ben tiens c'est peut-être moi qui pas ne sait pas le faire ou autre chose mais ça, ça, ça donne une mauvaise information mais en même temps ça donne une mauvaise estime de, des personnes. Parce que la personne se dit ah ben je suis pas capable. La personne l'a réparé et ça tombe simplement en arrière-plan. Ils ont changé les choses. Moi je, suis, je, je, je fais dans mes vidéos. C'est pas la qualité de la, 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 la vidéo. C'est la, la qualité de la, de la réparation ou de formation donnée. C'est ça qui est bien. C'est savoir euh, savoir faire ces choses soi-même. Parce que c'est bien, parce que des fois, il suffit juste de nettoyer une bête lentille avec un peu d'alcool isopropylique, et la, la, la console, elle, elle revit, quoi. À part, c'est des poussières, c'est ça. Attends, j'y reviens, parce que du coup, es restaurateur de, de console, mais qu'est-ce que tu fais exactement Parce que tu fais plein de choses. Là, ici, tu parles de tes vidéos. Qu'est-ce qu'on retrouve dans tes vidéos, concrètement ça, ça dépend de certains, certains réseaux sociaux, en fait. Sur YouTube, c'est plus des tutos, je fais des tutos de réparation. Et ici, j'ai un peu mis une pause parce que j'essaye de, de voir par rapport à, à certains, certaines vidéos que j'essaye de, de promouvoir un peu plus et essayer de, de donner un peu plus de, de grandeur dans, dans celle-ci. Parce qu'en en fait, le problème qui se pose, c'est que c'est bien de faire une vidéo, mais il faut savoir aussi trouver le, le sujet et euh, avoir la panne aussi, parce que je ne crée pas une panne. Moi-même, j'essaye vraiment d'avoir une panne qui est vraiment authentique et la réparer et pouvoir faire une vidéo. Sur YouTube, eh bien, c'est ce que je donne. Je donne, je fais des tutos par rapport à ça ou alors des questions qu'on me pose. Des fois, on me dit, ah, ça serait bien que tu fasses une vidéo, par exemple, sur euh, les PSP, par exemple, les différences de PSP parce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas parce qu'il y a des différences et celles que je préfère. Donc, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, sur, euh, sur Twitch, je Fais des, des vidéos sur Twitch, et eh bien c'est plus du direct. Donc je vais réparer des consoles que je dois réparer euh, en direct et euh, je peux tomber sur des consoles que je ne sais pas réparer. Donc euh, c'est ça le direct, c'est ça a plus de, de, de qualité, on va dire, dans le sens où il euh, y a plus euh, de l'humanité dedans. Parce que je trouve, parce que les gens, tu vois, il y, y a même des gens qui, qui t'aident aussi parce que tu ne tu sais pas avoir réponse à tout, tu ne sais pas tout réparer, c'est impossible. C'est ça que je me dis. Je ne sais pas tout réparer, c'est impossible. Si j'aurais une tête comme ça, franchement, je ne serais peut-être pas là où je suis, ou je ne sais pas. Honnêtement, mais il euh, faut savoir essayer de, de, de prendre les connaissances de, de, de chacun sur tout ce que j'ai dans ma communauté, c'est ça qui est bien. Donc, chaque réseau social, tu mets un, un type de contenu différent et ta communauté, elle se retrouve où finalement Est-ce qu'il y a un, un, un réseau social où tout le monde se rassemble Qui est un peu ton réseau principal J'ai mon Discord. Mon Discord, il y a beaucoup de personnes qui, qui s'y retrouvent. C'est pas un Discord là où on va parler, tout le monde va parler. C'est pas un Discord où on va discuter de ci, de là. J'essaie un peu de changer l'univers de ça, essayer de, que les gens puissent parler de rétro et tout le reste. Mais à la base, c'était vraiment ciblé sur des gens, par exemple, qui travaillent, c'est ça, qui font vraiment. Euh Allez, ils travaillent de la journée. Et après, quand ils ont le temps, s'il y a quelqu'un qui a vraiment un réel problème, il vient l'aider. Okay. Donc il vient regarder, il vient checker un peu. J'ai même euh, quelqu'un qui travaille, euh, comment dire ça, pour, euh, pour le truc de, de la NASA. C'est pas ce NASA, c'est qui a rapport avec la NASA, okay. qui a rapport à ça. Et lui, il m'aide aussi, même pour, dans l'aviation belge, il y a même des gens qui, qui, qui sont là et qui, qui aident, qui donnent des conseils, qui donnent des... Et je trouve qu'on a une belle communauté, ça veut dire qu'il y, y a toujours quelqu'un qui va, va venir donner euh, une information. Et ce qui est bien aussi à préciser, c'est que c'est gratuit. Bien gratuit parce que souvent à l'heure actuelle, c'est souvent un donné pour un rendu. Et Là, on voit vraiment les passionnés qui sont là, qui se réunissent et qui, euh, qui partagent ce genre de choses. Sinon, j'ai une communauté différente sur YouTube, une communauté sur Twitch, une communauté sur Instagram aussi qui est totalement différente et un peu Facebook. TikTok, je suis un peu moins dessus, mais j'ai aussi une communauté là-dessus et c'est un peu ça varie en fait. On parle du coup de communauté, on parle de rétro gaming, mais on est dans un monde où les jeux vidéo évoluent de plus en plus. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le rétro gaming, peut-être ça se perd Est-ce que les gens ne se lassent pas Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que c'est pas un truc qui devient un peu démodé Je ne sais pas du tout. Hein. Écoute, une vraie démodé, non. L'information passe moins bien parce que le problème qui se pose, c'est que les gens eh ben, sont férus d'high de, 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 de tech, d férus de, de nouvelles choses. Maintenant, on est dans une société où les gens sont de moins en moins satisfaits, on va dire, en matière de jeux, en matière de plein de choses. Ils veulent toujours plus. Voilà. Du coup, eh bien, oui, c'est vrai que le, le rétro se perd. Mais il y a des personnes, comme, par exemple, comme moi et plein d'autres que je connais, eh bien, qui font revivre ce, le rétro. Dans le sens où euh, on va aller chercher euh, cette sensation que, qui est perdue de, de rétro chez les gens. Les gens toujours de, 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 de la gamme d'âge entre la, la vingtaine et la, et la cinquantaine, c'est vraiment l'âge qui, qui est là et euh, on va aller chercher ça. Ce, voyez, moi, ce que je fais dans mes conventions, en tout cas, ça aller titiller la personne, euh, l'âme d'enfant, l'âme qu'on n'a plus, qu'on qu pense qu'on a plus plutôt. Et euh, je vais la rechercher. Et les gens, des fois, ben, ils voient là-dedans, ils font ah c'est le jeu que j'avais avant quand j quand j'étais gosse, ah super, et, et ils viennent jouer. Parce que ça n'a pas le même impact si tu le montres en vidéo que si tu le leur fais jouer. Mais donc tu parles de conventions pour que les gens, si tu sais quel type de convention auquel tu vas Je fais souvent des, des conventions rétro gaming, tout ce qui est rétro, tout ce qui est aussi même euh, anime, manga, parce que c'est souvent les gens qui se retrouvent là-dedans. Parce que euh, c'est souvent des parents, des parents qui viennent pour leurs enfants, qui aiment bien tout ce qui est animé. Et les parents, en attendant que les, les, les enfants, ils font euh, par exemple du cosplay ou autre chose, la plupart du temps, ils viennent voir aussi les stands rétro parce que ils sont férus de rétro les gens euh, on, moi je dis toujours c'est ma façon de penser on n'était jamais aussi bien dans les années 80 90 tu vois ou voir voir 2000 moi je trouve que c'était les meilleures époques la meilleure époque je trouve euh, on a pu découvrir le lancement de la 3D par la PlayStation 1. puis on a eu la, la 64 aussi qui a suivi après on a eu plein de choses comme ça et je trouve que c'est des trucs qu'on a découvert le, le le Walkman, on a découvert euh, lecteur CD, nous, on a eu les, les cassettes aussi. Euh, c'est la nostalgie là, qui ouais, parle, voilà, c'est nostalgie qui parle. Et, et ça, et, et ça, euh, dans, dans, dans tout ce qui est convention, eh bien, euh, je trouve que c'est bien d'aller chercher ça chez les gens, parce que les gens ils pensent que on évolue et que c'est derrière. Mais c'est pas derrière, parce que les gens, quand ils voient ce qu'on ce qu présente, enfin ce que je présente sur la, la mon stand, eh bien, euh, ils disent mais monsieur, merci. Mais tu présentes quoi sur ton stand Tu fais des réparations de consoles, alors, sur ton stand Je fais de la réparation en rétro donc et même de la réparation actuelle mais plus de la réparation ciblée sur le rétro telle que j'ai des, des petites euh, des petites réparations euh, en, en convention tels que changement de pile tu vois pour vraiment restaurer ça les sauvegardes euh, un peu de nettoyage de, de Game Boy Game Boy Pocket ou ou, ou autre, petite petite console pour avoir de trop aussi en charge j'ai déjà fait des PS3 aussi des PS1 ça ça passe aussi j'y connais vraiment bien dans, dans tout ce qui est PS1 donc et PS2 bien sûr ça, ça reste Sony et eh bien euh, Là, c'est un peu euh, allez, euh, toujours euh, mon cheval de bataille, on va dire là dedans. Et euh, je répare ça et en même temps, je propose les créations que je fais parce qu'avec les, les consoles que je n'arrive pas à restaurer totalement et eh bien ou qui sont cassées. Et eh bien, je reprends les consoles là et j'en refais d'autres trucs comme des, des horloges, euh, comme des. Euh, il, peut, il peut avoir plein, plein d'outils parce que je vais pas trop non plus en dire parce qu'il y a plein d'autres choses que je vais encore euh, que j'ai en tête. Hein, je sais ce que je veux faire. Je sais vers quel chemin je veux aller et je veux vraiment présenter les choses qu'on peut faire avec avec des, des choses qui sont totalement vouées à la destruction au lieu de les casser. C'est mieux de, de préserver, de restaurer tout ça. Je pense que c'est un, un plus qu'on peut avoir parce que ça a plus d'impact. Si tu montes, par exemple à ton enfant une vieille console que tu as transformée en horloge et dis Regarde, ça c'était papa qui avait ça comme horloge, tu vois, peut comme, comme une console, eh bien euh, à ce moment-là, il va dire Ah, tu avais ça comme console Ah, ouais, c'est bien et tout, j'en ai fait une horloge. Mais si maintenant tu dis Voilà, tiens, ce verre que je te présente là, avant c'était une console de jeux vidéo s'en foutre, ça a moins d'impact. Et vois. toi, tu vois des jeunes sur tes conventions qui viennent s'intéresser ou pas Est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment euh, au rétro Ah ben, euh, honnêtement, j'ai été surpris. Je pense, je m'en doutais un peu que ça allait, ça allait faire ça, mais j'ai été surpris parce qu'on ne s'imagine pas que ça allait avoir autant d'ampleur. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, s'intéressent, de jeunes, hein, la communauté, euh, euh, les jeunes personnes, beaucoup s'intéressent là-dessus parce que euh, souvent ils viennent avec leurs parents et leurs parents disent Regarde, c'était la console que j'avais avant quand j'étais enfant. Et eux, comme ils veulent un peu, un, un peu s'intéresser euh, à leurs parents, même s'ils n'étaient pas intéressés avant, ils s'intéressent un peu plus ils disent Ah, ben ça, ça a commencé par ça. Et euh, j'ai déjà eu euh, sur une de mes conventions, ce qui était, ma, qui était marrant, c'est une mère euh, avec, avec euh, son fils, ils sont venus et. Euh, euh, le fils, à mon avis, jouait à tout ce qui était comme euh, les euh, euh, Counter-Strike et euh, euh, les jeux actuels, quoi. Maintenant, voilà. Et euh, alors, la mère elle a dit Ah, c'était, je vais présenter Duck Hunt. Elle est venue avec d'avant, ah, c'était le jeu que j'avais quand j'étais enfant. Et l'enfant, il dit simplement il fait euh, « Ah bon, toi, tu jouais quand tu étais avant, tu jouais. Ben oui, c'est une partie que, qui est secrète des parents et que peut-être qu'ils savent pas, parce qu'ils voient toujours les parents comme des grandes personnes et non pas comme enfants. On a été enfants, tout le monde. Voilà, c'est ça. Et euh, à ce moment-là, eh bien, euh, et la mère qui vient jouer sur la console et elle commence à, à tirer sur les canards et c'est ça. Elle arrive à les avoir. Donc le fils, il se dit bah, je vais essayer. Ça a l'air facile. Il essaye, il touche pas un canard. Et la maman, eh bien hop, elle commence à, à charrier. Hein c'est pas Fortnite, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas Counter Strike. Hein on fait le malin, vas-y. Après, ouais, mais c'est un bug. Et alors à ce moment-là, eh bien, euh, comment euh, la mère fait euh, Il fait réessaye et la mère elle essaye. Et elle arrive à avoir tous les canards. Et alors frustré, tu vois vraiment la frustration du, du jeune qui est là. Et, et alors à ce moment-là, euh, tu découvres une magie en fait. Tu découvres quelque chose que peut-être qu'ils ont perdu. Parce que, comme euh, maintenant, les enfants sont souvent isolés des parents avec leur téléphone, avec tout ça, tu trouves vraiment, tu vois, il y a tu, tu vois la magie du rétro, la, la magie qu'on avait avant, qui commence à, à faire effet. Et tu vois vraiment le, le, le gosse qui essaie de jouer, essaye de battre sa maman, essayer parce que c'est allez, ça, ça doit être, euh, il doit battre dans tous les coutures les parents parce que c'est frustrant. Et euh, toi qui joues, essayez ça. Et après, tu vois que les enfants, le, la mère lui apprend comment faire, elle lui explique. Et ils sait le faire après. Et après, ils, ils sont allés, ils, ils, sont, ils sont arrivés. La, le garçon, il tirait la, 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 la figure simplement. Tu Vous tu voyez vraiment que s'embêtait, s'embêtaient quoi. Et euh, la mère, elle était un peu plus aussi dans, dans le domaine là. Et quand ils sont repartis, ils avaient tout sourire, ils étaient partants. Et ils m'ont dit, Monsieur, merci pour cette, cette tranche de, de rire. Et, euh, et cette se ce d'être plongé dans, dans le rétro, ça fait ressurgir mes... Mais souvenirs d'enfants. Au final, en fait, c'est ça que tu fais avec le rétro. C'est que tu permets aux parents de se redécouvrir comme des enfants. Mm -hmm. Et tu permets aux enfants de découvrir leurs parents comme ils n'ont jamais été. Parce qu'on est souvent dépassés en tant que parents par ce que les enfants peuvent faire. Et je crois que quand ils voient Valorant ou CSGO, les parents ne savent pas s'y intéresser parce qu'ils sont dépassés. Mm -hmm. Et là, tu leur permets d'avoir une passerelle. C'est un, intéressant. Oui, c'est un peu isoler le monde qui est autour. Isoler le monde qui est autour de ce qu'on a à l'heure actuelle et replonger dans l'enfance, mais avec les enfants en même temps. Donc ça, c'est les enfants redécouvrent leurs parents en même temps et vice versa comme ça. Et c'est un échange qui est vraiment magique quoi. Et j'ai souvent ça sur mes conventions. Donc oui, répondre à la question du début, eh bien oui, les enfants en fait euh, s'intéressent beaucoup plus parce qu'ils ont un échange avec leurs parents justement. Alors moi, il euh, y avait aussi un truc qui m'intéressait parce que du coup, on parle beaucoup de valeur et de de, de valeurs et de, de projets humains, finalement, dans ce que tu racontes. Tu parles des gens, de leurs enfants. Euh, mais les gens ne le savent pas parce qu'on n'a pas forcément abordé. Mais tu ne fais pas, tu ne commercialises pas ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu rends service, comme tu as dit dans la communauté, c'est gratuit. Euh, tu n'as pas un but vraiment de générer des profits, même si à terme, ce serait idéal, évidemment, pour de est, Pourquoi est-ce que tu fais tout ça alors si c'est pas pour ramener de l'argent Parce que ça te prend du temps. elle est en convention, les gens ne savent pas, mais il faut louer un stand il faut y aller physiquement avec son matériel c'est de l'essence. Qu'est-ce qui te motive euh, là derrière mais justement le côté humain le côté humain j'ai eu des, des problèmes dans ma vie qui ont fait que j'ai eu besoin de ce côté humain parce que j'avais plus j'avais plus foi en l'humanité on va dire pour certaines choses j'ai un peu craché sur ça je, 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 je suis vraiment désolé parce que euh, me rendre compte que euh, je me trompais totalement qu'il y a des gens qui valent vraiment la peine d'être connus et d'avoir vraiment des gens qui sont euh, qui sont bienveillants avec, avec soi. Faut juste choisir et trouver les gens. Et c'est vrai que fermer convention conventions à titre non lucratif, eh bien, euh, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris aussi à, à, à voir que les gens, eh bien, euh, ils peuvent partager avec toi aussi, en sachant que euh, tu, tu n'es pas rémunéré, rien du tout. Eh bien, tu vois, là, les gens, directement, ils viennent de, de eux-mêmes et voilà, ouais, tu vois, j'ai ça, j'ai ça à réparer, si tu veux, je peux te le donner, si tu veux. Et ils voient que c'est pour les autres. Comme par exemple, les consoles que je mets à disposition des, des enfants sur les mes stands et eh bien, euh, comment dire ça, vient à, à dire que euh, je peux présenter des consoles qui sont... Euh, Peut-être perdu pour euh, tout le monsieur, tout le monde, parce que ça coûte extrêmement cher à l'heure actuelle. Et moi, je les présente justement parce qu'on me les offre ou on me permet de faire ça. Donc oui, je fais ça à titre non parce que pour moi, ça serait euh, à l'heure actuelle tout ce monnaie, Donc je trouve que c'est un peu euh, ça serait égoïste de ma part de, de, de faire, euh, de faire du profit sur les gens. C'est ça que je veux dire par rapport à ça, simplement. Mais c'est vrai que euh, à terme, eh bien, c'est vrai que c'est onéreux il faut louer, des fois louer des camionnettes, euh, le transport, parce que j'ai plein de conventions un peu partout dans Belgique, et je fais aussi, on, on m'a suscité euh, à trois reprises en France, que je n'ai pas su aller, et euh, une que j'ai pu aller justement à mines et c'était une convention aussi dans même, euh, j'en parle parce que c'est très important de savoir que euh, c'est au petit Salon du Jeu Vidéo, et euh, au petit Salon du Jeu Vidéo, je me suis retrouvé dedans, c'est une convention qu'ils ont fait totalement gratuite, tu vois, c'est gratuit. Les jeux vidéo, c'est gratuit. Il n'y a pas de vendeur, il n'y a rien du tout. Et j'ai vraiment, c'est pour ça que je dis que ma, 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 ma communauté est bienveillante et tout le reste, parce que j'ai pu rencontrer, grâce à, à, à ces conventions, des gens ainsi. J'aurais pas su autrement, honnêtement. Et ces gens-là, ben, ils m'ont tellement apporté, que ce soit en, en bienveillance, que ce soit aussi en conseil et en aide aussi. Et voilà. Et c'est vrai que, comme je dis, eh bien, je fais ça parce que je vois que les gens le font aussi. Et moi, ça me motive encore plus de faire ça, euh, non lucrativement. Bien sûr, comme je dis, je ne suis pas le son d'un caillou. Ça, c'est une expression que j'ai toujours. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça serait bien d'avoir une camionnette pouvoir, pour pouvoir au lieu de la louer, pour avancer, pour avoir un sponsor ou soit pour pouvoir euh, euh, parce que l'entretien des consoles, l'entretien des, des TV que j'ai, l'entretien de tout ça, c'est c'est un coût. Parce qu'il y a des, des, des pièces qu'il faut remplacer, il y a des pièces que je répare, c'est du temps, c'est de l'argent. Il, il y a plein de trucs, par exemple, quand on répare, on fait des soudures, il y a de l'étain, il, il, il y a plein de trucs, il y a du flux électronique, il y a plein de choses. Et ça, c'est pas gratuit. Quoi. Moi, du coup, je pense qu'il faut absolument que tu trouves des gens qui veulent faire des démos chez eux, ou ouais. dans leurs événements ou quoi. Ils te payent pour que tu viennes avec tes consoles, et toi, tu fais des rétro pour les gens, et comme ça, tu es payé, eux, oh, ils sont contents, tu viens faire place à un moment à tout le monde. Ça, ça, je trouve que c'est une bonne idée que j'avais déjà, déjà envisagée, parce que c'est vrai que dans les conventions, c'est bien, mais il y, y a peu de gens qui... Qui, qui connaissent justement les, les conventions parce que je vois qu'il y a plein de gens qui disent ah ben tiens euh, est-ce que euh, tu connais les conventions et c'est ça ils connaissent pas et j'essaye de faire euh, faire voir ces conventions là parce que c'est vrai que ça a fait de, depuis le Covid je pense un petit peu avant le Covid qu'il a commencé à avoir quelques conventions comme ça en Belgique parce qu'avant il n'y en avait pas et je trouve que c'est c'est magnifique bien sûr il y avait la Medinazia il y avait tout ça c'était des, des grandes conventions qui étaient déjà là bien présentes mais c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de petites qui viennent et ils viennent combler l'année en fait et je trouve que c'est vraiment bien parce que tu as, as toujours quelque chose quelque part, toujours un, un événement ou autre, et euh, tu sais toujours pas partir à gauche ou à droite pour vraiment découvrir d'autres horizons, d'autres euh, streamers aussi, d'autres euh, exposants. Il y a plein de trucs comme ça qui des créateurs aussi que j'ai rencontré plein de créateurs de contenu que ce soit aussi euh, euh, créateur de, de que ça soit de dessin que ça soit même en, en couture ou autre ça c'est vraiment des, vraiment la communauté que j'ai c'est vraiment elle est, elle est vraiment euh, elle explose quoi des fois je me dis c'est dingue et si on revient sur ton projet <laughs> si les gens veulent te soutenir aujourd'hui ils te découvrent euh, comment est-ce qu'ils pourraient te soutenir il y a les, il y a Twitch les abonnements oui il y a quoi d'autre comme façon que les gens pourraient avoir euh, est-ce qu'il y a une cagnotte Est-ce qu'il y a un Tipeee Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà pu mettre en pour place Pour l'instant, j'ai mis Tipeee, mais bon, pas, j'ai pas promu... Parce que comme je fais ça non lucrativement, j'essaye pas de promouvoir ça. J'ai aussi une, une wishlist sur ma chaîne Twitch, que je mets des choses pour moi à travailler justement pour, euh, par exemple... Je t'interromps un instant. Tu dis, je fais pas ça lucrativement. Ça prend combien de temps par semaine à peu près pour, pour toute l'activité le, les conventions le streaming les vidéos youtube la réparation ça prend beaucoup de temps ça prend vraiment beaucoup de temps ça prend... 20 30 heures plus. Ouais, plus Vachement plus, parce que je dois me préparer aussi, je dois voir ce que je vais exposer, je dois voir ce que je vais mettre aussi pour mes conventions. Aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi pour les, les streams que je fais, il aussi savoir si tout est correct, si mes caméras fonctionnent bien, si, donc, euh, vérifier mon matériel, et après, regarder ce que je vais mettre en contenu, ce que je vais mettre comme contenu, comme les réparations de consoles, voir la console que je vais mettre. Si c'est ça, des fois, ça se passe comme ça, à, à, comme comme à la maison. Quoi. Voilà, je fais, ah ben tiens, je vais faire ça là et je fais ça. Mais tout ça, ben, c'est du temps. Donc c'est un travail. C'est un travail. Et ouais. tout travail de salaire, mais je suis d'accord. Ben, voilà. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il faudrait que tu retiennes. Et que, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui, comme toi, et j'en connais beaucoup, qui font de la couture. Il y avait une jeune fille qui faisait du tricot. Et euh, je suis en parler avec toi, mais pareil, elle fait le tricot, elle dit Je vais te le donner. Et elle me dis Pourquoi Elle dit mais Parce que je ne suis pas professionnel. Euh, je lui dis mais, Ça t'a pris du temps, t'as fait les choses, et c'est un truc que je ne saurais pas faire, c'est un petit Pokémon. Elle dit Non, mais je n'oserais pas le vendre, ça, je ne mérite pas, je, elle n'était pas légitime. Ouais. Et, et, mais à partir du moment où tu as fait un travail, tu mérites un salaire et je pense vraiment que ça devrait être ton, ton objectif pour, avant, pour notre podcast Conclusion de l'année prochaine, selon si se revoir. C'est que tu devras avoir financé ça parce que vraiment, ce qui serait dommage en fait, c'est que ton talent, ta passion, on la perd parce qu'un jour, la réalité fera que tu devras payer les factures et que tu devras ouais. prendre un job alimentaire et que parce que tu as été trop bon et que tu n'as pas osé le ouais. financer, les gens perdront euh, ce genre de choses. Et je pense que tu fais un travail qui est un peu comme le travail. Euh, des restaurateurs d'art dans les musées ou dans les peintures, etc. C'est que c'est des œuvres, c'est des, des choses qui ont marqué les gens et l'histoire. Tu travailles à les conserver et tu mérites euh, d'être émus pour ça J'ai eu, j'ai eu, c'est vrai que ce que tu dis. J'ai eu des personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit que j'ai trouvé que c'était exagéré. C'est, moi, je ne vois pas comme euh, je me, me vois peut-être en dessous de ce que les gens pensent. Et c'est souvent la, la réalité pour les, les streamers qui, qui font du, du crafting, tu vois, tout ce qui est craft ou autre chose. Eh bien, je connais des gens qui font des, 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 ils font des, des, des créations de dingue. Et je leur dis, mais c'est de dingue ce que tu fais, c'est. Je ne sais même pas quoi dire. Et elle euh, me dit, bah non, moi, je trouve que c'est. Comme tu viens de dire, je trouve que c'est. Bon, je ne mérite pas, c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage, ce genre de choses. Et moi, c'est vrai que je commence à voir depuis un moment. Euh derrière derrière de ce que je pensais parce que en façade tu regardes tu vois tu te dis bah non c'est pas vrai je suis pas ça et après quand tu regardes vraiment plus loin et tu te dis ben bah, en fait oui euh, j'ai quelqu'un qui est venu en euh, une convention et il m'a dit monsieur ce que vous faites c'est de l'art et j'ai dit non mais il me dit écoutez c'est une, une forme d'art et je savais pas pourquoi il me disait ça et ça et puis il me dit si vous voulez euh, on peut exposer vos, vos créations dans un musée ben j'ai dit mes créations, mais je suis pas artiste. Mais si vous êtes artiste, monsieur, je suis en fait le monsieur, c'est une personne qui travaille au, mu au musée du, du PC à Namur. Et il m'a dit écoutez, moi je rêverais d'avoir une de vos créations dans là à présenter aux gens. Et je lui dis, dit écoute, ben, oui. Du coup, j'ai dit oui, et je suis sur un projet ici pour l'instant, oh pour PC, justement un PC que j'ai récupéré et. Euh, je vais, je vais bientôt le présenter justement et c'est un truc euh, un peu spécial. Je ne vais pas trop en dire non plus parce que bon de voilà, ça, ça reste de, de la découverte, hein. bien sûr. J'aime bien faire découvrir aux gens et qu'ils puissent voir. J'ai d'autres projets aussi que je vais mettre en place euh, et je sais déjà ils sont là et je les garde là. Mais c'est des trucs qui vont être euh, appréciés du public, ça sais bien. Il y a des gens, le problème c'est ce qui se pose, c'est le problème qui se pose en... En convention, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me, me demandent simplement en me disant vous vendez mais comme je ne vends pas, je suis euh, à la base je suis euh, comment dire ça je viens gratuitement non lucrativement en convention des fois je paye pas le stand donc je c'est gratuit ils comprennent la, la chose mais je, de, je ne peux pas vendre et du fait que ça que je ne vends pas ben, je peux pas vendre sur le stand mais c'est vrai que je dis hors, hors convention c'est vrai que c'est hors contexte les gens ils oublient et c'est ça bon voilà c'est ça peut-être le problème que je fais voilà du coup, les gens devront te suivre sur les réseaux sociaux pour suivre tous tes projets. Moi, je te donnerai le mot de la fin avec, euh, est-ce que tu auras un conseil à donner, soit aux gens qui euh, ont le syndrome de et qui n'osent pas se lancer euh, forcément et être rémunérer, ou un conseil à donner peut-être aux gens qui ont des consoles chez eux, qui sont sur le point de jeter et qui devraient les réparer Est-ce que tu auras un conseil à donner aux gens qui nous ont écoutés euh... Ben, jeter, non, c'est... <laughs> faut pas. Moi, je suis contraire de ça. On sait toujours faire d'autres choses. Comme sur, euh, sur, sur les vidéos que je, je montre, on s'est toujours euh, préserver ce genre de choses. Euh, c'est un peu dommage de jeter, honnêtement, parce que jeter c'est facilité. C'est un peu facile de jeter des choses. Et, euh, moins en moins on va moins en moins on va garder, plus en plus on va, on va perdre des choses. Et après ça va valoir de l'argent. C'est les gens qui qui font que euh, le rétro devienne cher. C'est à cause de ça, à cause de, de l'offre et de la demande. N'ayez pas peur de, de, de réparer vos consoles, essayez de trouver la bonne information. Et aussi, euh, pour ceux qui, qui, veulent, euh, qui veulent se lancer, il faut, faut, faut foncer, il faut le faire. Moi, comme il y a un créateur de contenu qui m'a dit aussi simplement, il m'a dit, t'as envie de le faire, fais-le. faut le faire. Euh, j'ai un ami qui, qui, qui m'a dit clairement ça, et je l'ai fait. Et maintenant, j'ai pu streamer, j'ai pu faire plein de trucs, j'ai une communauté que je n'avais pas avant. Donc, le conseil final, si ça savent pas par où commencer, faut rejoindre ton Discord. Voilà, c'est ça. ça il, peut bien venir, bien. il peut venir, venir. Et comme je dis toujours, préserver, eh bien, réparer c'est aussi préserver. C'est beau. ah. Merci beaucoup euh, Mike.